promise. Chose d'une, nous revoilà avec vous pour ce nouveau numéro des Eclipses sur NC Première. J'espère que tout va bien pour vous, que votre semaine se déroule sans l'ombre d'un papayer à l'horizon. Je vous propose aujourd'hui une vraie cure de vitamines A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, avec un ancien clip de Bwanjep et un clip artisanal de La Tchoukrave, un groupe de reggae rock métropolitain déjanté mais amoureux de la Nouvelle-Calédonie. Les images de leur clip ont été tournées ici, ils méritent d'être diffusés dans Eclipse, l'émission qui donne des visages à la musique d'ici. Allez, on y va, on énumère les musiciens du morceau qui arrive parce qu'ils le valent bien. Le pays, on se lève tous pour Gilbertéen, Sylvainéen, Albertéen, Johannestéen, Philippetéen, Zoétéen, Robertatine, Laurent Nairoc, Jean-Yves Théen, Gilles Théen ou encore Abel Fallet. Yes, vous m'avez compris, nous allons visionner un ancien clip du groupe de Yengen, Bwanjep. Bwanjep est un nom emprunté à un instrument magnifique et traditionnel du pays, fabriqué en fibres naturelles. Cet instrument est aussi appelé battoir d'écorce et en langue de Yengen, il devient Pédawa. Bwanjep et la famille Théen sortent leur album Vie en 1993 avec parmi les morceaux le titre Le Passé. Ces pionniers du Kaneka sur la Grande Terre ont démarré vers 1985 en explorant toujours et encore plus les différentes variétés de bambou, les instruments traditionnels et sa créativité reconnue au pays. Le clip Le Passé a été réalisé par David Troufier, l'associé de Mangrove à l'époque. Les images ont été tournées à Bakulna, dans la chaîne de montagnes qui surplombe Yengen. Les visages sont radieux, les sourires sont communicatifs, les percussions sont nombreuses. Et cette phrase qui résonne chez chacun d'entre nous, le passé restera le passé. Pour l'avenir, il nous faut des souvenirs. Allez, Bwanjep pour le plaisir.
souvent les moins tordus.